Where is she? With him, of course. In the darkest place. Along with every soul burned to ash in your precious tree. Where is she? Go on. Kill me. You'd send me right to my lady. Beyond the veil, she shattered. Oh, Tyrande. High priestess. Night warrior. Completely powerless to stop the coming. Ah, ça fait tellement plaisir de retrouver notre petite Tyrande. Du coup, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai laissé la vidéo en anglais parce que les dialogues... Alors déjà parce que la version française n'est pas disponible, hein, soyons honnêtes. Mais en plus, la version, j'aurais pu attendre la version française, mais honnêtement, les textes ne sont pas spécialement compliqués. Pour ceux qui ne manient pas la langue de Shakespeare. Tout simplement, donc... Alors, on va débriefer un petit peu tout ça, mais au départ, ce que dit Nathanos, c'est tout simplement est-ce que c'est le mieux que vous puissiez faire en se foutant de la gueule des héros, parce que c'est nous, globalement. Cet événement, bien sûr, je vais quand même rappeler un peu le contexte, hein, c'est le pré-patch, les événements du pré-patch. Donc, on va devoir affronter les armées du fléau libéré depuis que le casque a été brisé par Sylvanas dans la cinématique d'intro de Shadowlands. Les événements du pré-patch, du coup, eh bien, amènent le fléau qui attaque les différentes capitales, etc. Le truc, c'est qu'en fait, ce fléau libéré, déchaîné, il est tout simplement mené et orienté de manière marionnettiste, enfin, comme des marionnettistes, par le culte des damnés, donc les serviteurs de Kel'Thuzad, sachant que, alors il y aura spoiler dans le titre, hein, mais bon voilà, mais du coup c'est vrai que en fait ils sont menés par justement ces forces là, et au final en parallèle de la défense et de l'affrontement des différentes ghouls etc. du culte des damnés, eh bien on va aller traquer Nathanos puisqu'on doit traquer la reine Banshee, donc Sylvanas. Au final, Sylvanas, elle a traversé bien sûr le portail, donc elle est du côté, elle est dans les terres d'ombre, elle est dans l'ombre terre. Et du coup, eh bien, Nathanos, lui, il est retourné dans la ferme des Maris, je crois, le nom. La ferme, tout simplement, donc dans les Malterres de l'Est, hein, les Plaguelands. Et au final, il est l'endroit où on le découvrait à Vanilla, donc bien sûr c'est un hommage, et si vous jouez à WoW classique et que vous vous cassez le cul à monter niveau 58, un truc comme ça, et que vous faites les quêtes dans le coin, bien vous voyez Nathanos de l'époque, et du coup c'était dans la ferme des Maris, je crois, le nom exact. Donc c'est là-bas, donc il revient à l'endroit où on l'a découvert, là où tout a commencé, ça se termine, et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, eh bien, c'est ça la thématique, on doit vaincre le lieutenant de Sylvanas. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se posait la question, est-ce que Nathanos allait mourir ou pas, et s'il mourait, qu'est-ce qui allait se passer? Parce qu'on savait déjà qu'il allait mourir, si on avait suivi un petit peu le pré-patch et tout, on savait déjà qu'il allait mourir, mais nous, ce qu'on se posait comme question, notamment avec Eva, c'était justement, s'il meurt, normalement il va dans l'antre, hein, si on respecte la ligne directrice, et du coup, il va dans les bras de Sylvanas, c'était un peu ce qu'on s'était dit. Alors déjà, j'aime beaucoup, parce qu'au départ, il se bat avec les héros, là, il y a une éclipse qui arrive, alors je le rappelle, certains pourraient dire que c'est les pouvoirs de la guerrière de la nuit, ce serait oublié que dans Warcraft 3, Tyrande, vous pouvez faire des éclipses, et c'est le pouvoir des lunes, tout ça, et c'était d'ailleurs un pouvoir des elfes de la nuit qu'on achetait à la boutique, on faisait des éclipses, pour pouvoir justement régénérer les elfes de la nuit et faire proc le passif des elfes de la nuit, tout ça. Donc c'était déjà un outil de gameplay très présent, et qui du coup, dans le lore, c'est expliqué par les pouvoirs des prêtresses de la lune. En l'occurrence, là, Tyrande, elle est encore plus proche, elle a encore plus de pouvoir, notamment grâce à la lune, donc elle est capable, encore une fois, comme à Warcraft 3, de faire des éclipses. Évidemment, là, c'est l'éclipse de la guerrière de la nuit, donc c'est quelque chose d'un peu plus violent, hein, ça crée de... Alors, je pourrais pas savoir si le brouillard est créé par Tyrande, ou si, de base, hein, les Malterres de l'Est, c'est pas censé y avoir du brouillard aussi, donc est-ce que c'est juste la couleur qui change? En tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, Nathanos,
se prend une grosse flèche. Alors, ce qui est rigolo, parce que ceux qui connaissent le modèle de tyran de Night Warrior en guerrière de la nuit, bah, elle a pas d'arc. Donc, d'où vient la flèche, hein? Heureusement qu'elle est faite hors champ, parce qu'elle n'a pas d'arc. Mais, bah oui, Tyrande, elle manie encore l'arc, elle manie les lames aussi. C'est une guerrière accomplie, elle manie plusieurs armes, hein. C'est pas qu'une chasseur, c'est pas qu'une prêtresse. On sort des carcans, bien entendu. Ce qui est, ça met ce plan qui est assez sympa, où il se fait à moitié. Il se fait à moitié. Le tir est tellement fort que ça le plonge contre le mur. Alors ça, pour le coup, c'est assez réaliste, hein, d'ailleurs, pour ceux qui aiment l'archerie, tout ça, tout ça. Quand tu prends une flèche, généralement c'est pas juste ah. Non, normalement ça fait très très mal, hein, ça. Et ça peut pousser en arrière, hein, bien entendu. Du coup, là il dit ah, ça commence à devenir intéressant. Tiens, j'en profite pour parler d'ailleurs, le doubleur en anglais, je connaissais pas trop le doublage de Nathanos en anglais, je le trouve plutôt qualitatif, mais pour le coup, la Tyrande, je la connaissais et je trouve franchement que les voix françaises sont meilleures. Alors pour Tyrande, pour moi, c'est indiscutable. Pour Nathanos, honnêtement, le doubleur anglais vraiment fait un super taf, même si j'ai une préférence personnelle sur le Nathanos français. Mais honnêtement, le doubleur anglais fait un excellent taf. Pour Tyrande, je trouve qu'il y a vraiment, y a pas photo. La doubleuse française fait bien mieux le taf. Mais bien sûr, c'est personnel. Bon là, très badass, hein, ça reste un mort-vivant, donc il s'arrache la flèche sans douleur. Et là, Tyrande arrive. Elle nous rappelle que c'est une grande prêtresse des lunes. Et bah, ça, c'est quasiment l'ultime de Tyrande dans Warcraft 3 aussi, hein. Donc ça, c'est aussi ça. Vous voyez là, vous allez dire, ouais, t'es chiant avec Warcraft 3. Non, mais c'est important. Pour le build-up de la vidéo, c'est important. Puisque, bah, on revoit une Tyrande qu'on connaissait à Warcraft 3. Et du coup, bah, là, évidemment, alors normalement, elle fait une grande. Un grand truc pour rappeler Elune, là elle a même pas besoin, elle est directement connectée. Bam! Il y a les éclats lunaires, alors on met le bruit de l'éclat lunaire de Warcraft, enfin de World of Warcraft. Et elle fracasse les fameux chiens de Nathanos, elle et les sombres dogs, elle les défonce. Et elle arrive dans ce 1v1. Alors je rappelle que ces deux personnages se sont déjà affrontés à Darkshore, hein, Sombre Rivage, ils s'étaient affrontés dans les événements qui amènent le front de guerre. Et Tyrande avait gagné d'ailleurs, mais elle en avait. Alors je dirais qu'elle avait galéré, parce que tout dépend. Si vous jouez côté Horde, on a l'impression que Tyrande galère, parce que vous tapez Tyrande. Si vous jouez côté Alliance, on aide Tyrande qui s'en sort très bien. Mais Nathanos va intervenir, etc. Et du coup, bah, ça dépend un petit peu de l'angle. Mais comme canoniquement, bah, c'est le front de guerre de Sombre Rivage côté Alliance qui est canon, la victoire, etc. Et qu'elle a le pouvoir de la garde de la nuit. Bon, elle maîtrise quand même un petit peu Nathanos, même si le combat était beaucoup plus serré que là, où là, Tyrande va le détruire. Alors, on en a déjà parlé, je vous laisse aller voir la vidéo, bien sûr, sur les enlèvements. On a déjà parlé de la marque, donc je ne viendrai pas dessus, ça me permettra d'économiser un peu le temps. On me dit que mes vidéos sont toujours trop longues, j'économiserai, mais il y a toujours, bon, je suis obligé de le rappeler du coup, mais il y a toujours la marque qui n'est plus comme avant, hein, puisque on voit que ça affecte sa peau, qui est à moitié en train de se. C'est un peu des stigmates de l'affliction qui commence à corrompre Tyrande. Alors, quand je dis corrompre, c'est pas en mode dieu très ancien ou quoi que ce soit. Commencez pas à aller voir du Ilguinote partout. C'est tout simplement le fait que, bah, en fait, le pouvoir de la guerre de la nuit est en train de la consumer. Donc, elle est en train de subir de plein fouet les effets du pouvoir de la guerre de la nuit. Donc, elle commence à avoir des stigmates de cette puissance qui d'un côté la renforce, mais d'un autre côté est en train de la tuer, en fait. Alors j'aime beaucoup la manière de combattre de Tyrande. J'aime énormément la manière de combattre de Tyrande qui est extrêmement. On dirait une danse en fait. On dirait vraiment une danse. Ça me rappelle un peu Final Fantasy X. Vous savez, Yuna qui faisait sa danse de l'eau, tout ça, tout ça. On dirait vraiment une danse. Et pour le coup, c'est vrai que faire en sorte qu'un elfe combatte, ça c'est très dur. Souvent, on a l'impression que c'est juste un humain, mais avec des grandes oreilles. Pour le coup, là, on a vraiment le côté athlétique, le côté danse, le côté agile et beau, je trouve. De Tyrande, donc c'est vrai que c'est plutôt bien fait. D'ailleurs, je pense que certains pourraient dire que le combat Sylvanas-Torfang, on voyait un peu la Sylvanas danser aussi dans ce style. Donc, on a vraiment le côté agilité de l'elfe, etc. Et en plus de ça, bah, elle éclate. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est le côté froid. On dit souvent en ce moment que Tyrande est complètement en furie et qu'elle veut tout casser, tout tuer, etc. Son combat est extrêmement froid au final. Regardez sa tête, regardez sa manière de faire. Bien sûr, elle est en colère. Évidemment, Tyrande est en colère. Ah, j'ai même pas vu, mais il y a du sang du coup. Il y a du sang. Du sang. De la liqueur. Donc là, tes pouvoirs se sont renforcés. Ça fait écho justement à la dernière bataille où ça avait été un peu plus dur, un peu plus serré. Where is she? Où est-elle? Évidemment, elle parle de With him, Sylvanas. of course.
Alors au début j'avais compris Wisin, mais je m'étais dit avec le geôlier, mais le problème c'est qu'on sait pas encore vraiment qui est le geôlier tout ça à ce moment-là. Donc il dit Wisin, donc dedans. Voilà, donc elle est tout simplement dans l'endroit les plus sombres, les plus ténébreux. Avec toutes les âmes de tes précieux, enfin avec toutes les âmes en gros, toutes les précieuses âmes des elfes qui sont morts hein, pendant la quatrième guerre, donc pendant BFA, et notamment ceux qui sont morts pendant avec ton arbre, ton précieux arbre. Nathanos qui a toujours été un gros con, hein. D'ailleurs beaucoup de gens, on en parle souvent en stream avec Eva, mais la plupart des gens sont en mode ah Nathanos moi je l'aime pas, il est antipathique etc. Bah ça veut dire que Blizzard fait bien son travail, puisque le personnage doit être antipathique. Et là par exemple, ça l'amuse, il rigole, tout ça, ça le fait rire. Il a la merci de t'y rendre, et ça le fait rire. Du coup il lâche des pics, etc. On dirait un troll d'internet évidemment, un hater d'internet qui continue de lâcher sa saloperie et son acide. Et en l'occurrence, eh bien, il dit tout simplement que voilà, ça le fait rire, puisque bah, Sylvanas est avec les âmes des défunts Caldoreil, de Teldrassil et autres. Et de Darkshore d'ailleurs. Donc là, elle insiste, c'est bien mignon tes petites palabres, mais moi je veux une location, je veux une localisation plutôt, je veux un endroit exact. Donc on voit encore bien sûr le côté très froid de Tyrande qui cherche même pas à l'insulter ou quoi que ce soit. Elle veut des réponses, elle est là pour des réponses, elle est là pour des infos. Allez, allons, vas-y Tyrande, tue-moi. Tu vas juste m'envoyer dans les bras de ma lady, hein, de ma dame. For the lady, hein, bien sûr, de la dame noire. Tu m'enverras directement dans les bras de ma dame. Donc ça le fait rire. Parce que s'il le tue, bah, il sait très bien où il va aller. Et c'est là où est sa place. C'est-à-dire proche de la dame noire. À travers le voile. À travers le voile qu'elle a brisé. Alors, Tyrande. Tyrande, grande prêtresse, la guerrière de la nuit, qui est totalement victime de la situation qui la dépasse. En gros, elle est incapable de pouvoir l'arrêter, elle est incapable de pouvoir arrêter Sylvanas. Elle est totalement désarmée face à Sylvanas. Et là, qu'est-ce que ça fait plaisir! Qu'est-ce que ça fait plaisir de retrouver Tyrande! Et là, bien sûr, le Fort Eldrassil. Mais elle le dit même pas en mode Fort Eldrassil ou quoi que ce soit. Fort Eldrassil. Comme si ça ne l'intéressait pas de faire ça et qu'elle faisait ça pour d'autres, pour autre chose. Enfin, que c'était juste une sombre besogne à accomplir. Mais Fort Eldrassil, évidemment, pour Teldrassil, l'arbre qui a brûlé, que Sylvanas, Nathanos ont fait brûler. Et je trouve que c'est excellent, parce que c'est totalement la Tyrande de Warcraft 3, celle qui se bat pour son peuple, celle qui peut être à la fois la douce panthère qui prend soin de sa famille, de ses enfants, etc., de son époux, de son clan, et d'un autre côté, celle qui montre les griffes, qui est capable de fracasser du monde, la Tyrande. C'est cette Tyrande-là qu'on aime, pas forcément un aspect ou l'autre, les deux aspects. Et là, en l'occurrence, on a la Tyrande, bien entendu, qui est beaucoup plus proche de la Tyrande originelle de Warcraft 3. Je sais qu'encore une fois, beaucoup de gens ont gueulé sur Tyrande, qui trouve que Tyrande a changé avec BFA, elle est devenue sanguinaire, une furie, blablabla, elle va mal tourner, c'est probablement le dieu très ancien, on connaît ce genre de choses, hein. Je connais bien sûr ce genre de discours. Moi personnellement je retrouve la Tyrande, ça fait 15 ans en fait que j'attends une Tyrande comme ça, et que les elfes de la nuit se comportent comme ça, parce que si vous avez joué à Warcraft 3, les elfes de la nuit c'est pas « Ah que la nature est belle !» que ça c'était les dryades, et même les dryades elles foutaient de tartiner la gueule, donc c'était les elfes de la nuit depuis 15 ans, c'est « Ah j'aime la nature, ah c'est beau, et c'est tout, et la petite animation là, de la con là, en mode je sautille ». C'est pas ça les elfes de la nuit, ça c'est un aspect et qui est en plus assez mineur, c'est vous en prenez à nous, on va vous défoncer. C'était, rappelez-vous, les grands discours de Grommel Scream et des orques en mode c'est les guerriers les plus puissants qu'on ait jamais combattus, ce sont des femmes. C'était vraiment cet aspect là, c'était vraiment les combattantes sauvages sans pitié qui feront tout pour protéger leur terrier, leur louveteau, leur
leur lionceau, etc. C'est vraiment ça, les elfes de la nuit. Donc, retrouver cette Tyrande-là, ça fait extrêmement plaisir pour moi. Au passage, on retrouve la chouette, mais qui est un modèle de hibou, bien entendu, hein, parce qu'il n'y a pas de modèle de chouette. C'est Doritur, je crois, le nom exact de la chouette. Ça me fait rire, d'ailleurs. Il manque. Alors, je m'attendais à un petit plan où on l'entend ululer, et on l'entend à la fin, puisque elle cherche bien sûr des financements participatifs sur Internet. Ulule, non, pas du tout. Et surtout, je m'attendais à un plan sur la lune à la fin, pour un mode, bon, bah voilà, c'est Elune, etc., qui donne son pouvoir. Pas du tout, ils l'ont pas fait, ils sont pas tombés dans ce truc-là. Je m'attendais à le voir, et pas du tout. En tout cas, pareil, la petite musique qui fait très orientale. Ça peut faire penser un peu au thème Draenei d'ailleurs de Warlord of Draenor, mais un côté très exotique, très oriental de la musique qui rappelle bah, en fait les elfes de la nuit. Donc, alors c'est une musique qui est composée à BFA, si je ne dis pas de bêtises, qui était de BFA de toute façon, mais cette musique hein, qu'on entend. Quand t'as dit Fort Eldrassil, voilà celle-là. Ça fait vraiment très musique orientale et encore une fois, bah, c'est assez intéressant puisque les elfes de la nuit à Warcraft 3, c'est un mélange entre le Japon et surtout bah, les Amérindiens. Hein. C'est vraiment ça, les elfes de la nuit principalement. Alors vous allez me dire oui, Suashara, etc. C'est grec, oui, romain même plutôt. Mais les elfes de la nuit qu'on connaît sous la civilisation de Malfurion et de... Putain, faut que j'arrête avec ces... et de Tyrande, eh bien c'est tout simplement mélange entre Japon et Amérindien. Et boum, ça fait elfe de la nuit. Et du coup, d'ailleurs, les puits de lune hein, sont le symbole du shintoïsme, la religion japonaise. Et du coup, c'est assez intéressant, je trouve, de revoir un petit peu ce côté aussi. Écouter des musiques de Warcraft 3, des elfes de la nuit, et des musiques de World of Warcraft, des elfes de la nuit, c'est pas du tout le même délire. Alors, moi, j'aime bien les deux, hein, qu'on soit clair, mais c'est pas forcément le même délire. En WoW, on a vraiment des musiques douces, des musiques très apaisantes, très intéressantes. War 3, les musiques sont beaucoup plus sauvages, je trouve, concernant les elfes de la nuit. Alors, ça, c'est pas du tout une musique elfe de War 3, hein, pour le coup, mais c'est assez intéressant de voir ce côté un peu plus sombre, un peu plus mystérieux, avec un côté un peu asiatique, je dirais. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas non plus des milliards de trucs à dire et je veux que la vidéo soit assez courte malgré tout. Moi j'aime beaucoup cette vidéo. Je pense que ça fera probablement, parce que maintenant dès qu'il y a un nouveau truc, ça fait polémiquer. Mais c'est assez cool de savoir que du coup Nathanos n'a pas une mort définitive. C'était ce qu'on théorisait et au final ça arrive. Donc Nathanos sera probablement un boss à Shadowlands puisque on devra le battre très probablement, je sais pas, à la 9.2, à la 9.3, même peut-être à la 9.1. On devra très probablement affronter Nathanos et Sylvanas. J'ai fait beaucoup de vidéos sur Sylvanas. Je ne pense pas que Sylvanas soit soit un boss qu'on tuera façon Garrosh et c'est tout. On devra probablement l'affronter parce que c'est, on va dire, un fantasme que les joueurs ont. Donc on fracassera très probablement Sylvanas. C'est un peu comme Ashara, on la fracassera. Mais à la fin, elle va s'enfuir et elle va nous aider très probablement. Enfin, pour moi, hein, c'est ma théorie. Elle nous aidera probablement à battre le geôlier à la fin. D'ailleurs, alors je n'ai pas encore lu Shadow Rising, je ferai une vidéo sur Shadow Rising, mais on a des petits éléments concernant pourquoi Nathanos est ici, par exemple. Et Nathanos, en fait, sait qu'il va. Alors, la dernière mission qu'il avait, si vous avez vu mes vidéos sur la 8.2.5, je crois, Sylvanas a donné une mission à Nathanos. Cette mission, en fait, c'est tout simplement le bouquin Shadow Rising. Je ne l'ai pas encore lu, mais je sais à peu près que c'était une mission, et notamment bah, d'aller tuer Bwana Samedi. C'était sa mission, en final. Spoiler, il échoue. Et au final, eh bien, il a en gros choisi dans le bouquin ce qui est assez dit, c'est que Nathanos va mourir. Il sait qu'il va mourir, et du coup, il a envie de choisir sa mort. C'est très romantique, il a envie de choisir sa mort, et il a envie de mourir là où, en gros, sa vie de réprouvé, sa vie de mort-vivant a commencé, et d'ailleurs là où sa vie de vivant aussi s'est éteinte. Donc là où tout a commencé, il revient, et c'est pour ça qu'il vient à la ferme des Marys. Donc ça, c'est assez intéressant à ce niveau-là, même si on ne sait pas encore exactement pourquoi, par exemple, il n'est pas parti avec Sylvanas directement, même s'il veut choisir sa mort, tout ça, pourquoi il s'emmerde à mourir alors qu'il pourrait traverser le portail et le voile comme Sylvanas. Donc là-dessus, on n'a pas vraiment encore de réponse. Je ne sais pas si ça sera justifié, ça se trouve, il n'y aura pas de justification, mais voilà, c'est pour ça aussi qu'il est là, et j'aime bien justement, enfin, pour le coup, Nathanos, le traitement est très intéressant. Ça fera plaisir de le revoir bien sûr à Shadowlands aux côtés de Sylvanas. Et bah, encore une fois, moi ce qui me plaît, c'est vraiment le traitement de Tyrande qui reste dans la droite ligne de ce qu'on a eu à BFA, à savoir un retour sur Tyrande, la guerrière. Alors c'est un peu la guerre de la nuit, tout ça, moi c'est vrai que ça me passe un peu au-dessus. C'est cool, mais c'est vrai que enfin, faudra qu'on se penche un jour dessus avec Eva, mais
Pourquoi ils n'ont pas fait la guerre de la nuit pendant la guerre des anciens? Pourquoi ils n'ont pas fait la guerre de la nuit pendant Warcraft 3? Ça, je trouve ça un peu bancal. Mais après, comme si ça permet aussi de revenir sur les elfes de la nuit et le côté sauvage et bourrin des elfes de la nuit, enfin quand je dis bourrin, c'est quand même travaillé, mais vous m'avez compris, bah j'aime bien, j'aime beaucoup ça, et du coup cette vidéo me plaît. Cette vidéo me plaît, cette vidéo me parle, cette vidéo visuellement est intéressante, thématiquement est intéressante. C'est pas une énorme vidéo, il n'y a pas des milliards de trucs à dire, on n'est pas en mode oh my god, oh my god, mais c'est vraiment assez sympa. Et j'aime beaucoup ce petit combat entre Tyrande et tous les clins d'œil. Et pareil, encore une fois, assez violent hein, finalement. Même Night si c'est une mort hors champ, warrior, on a mis du sang. Là, je completely l'ai même pas vu. powerless to stop the coming. Mais elle égorge quelqu'un. Alors certes, c'est un mort-vivant, c'est de l'ichor, etc. Mais c'est un mort-vivant et elle l'égorge froidement. Elle abat froidement un mec. Ça fait longtemps quand même. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce genre de choses. Un mec qui est à sa merci, qui... Ça fait même. Est-ce que j'avais déjà vu ça dans Warcraft? En cinématique, un otage qui est tué comme ça, non? En combat, ouais, en otage, je crois que j'ai jamais vu ça dans Warcraft. Après, vous allez peut-être me le dire dans les commentaires, mais je crois que ça... enfin, de mémoire, ça ne me dit. Je vois rien, en fait. Donc, non, c'est vraiment assez intéressant, assez mature et assez cool. Franchement, assez cool. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, j'oublie peut-être des points. J'oublie, je suis toujours, après, en revoyant la vidéo ou autre, je dis toujours, putain, merde, j'ai oublié ce truc-là. Peut-être que j'oublierai. À ce moment-là, je mettrai dans les commentaires en épinglé. N'hésitez pas à me donner vos impressions. Est-ce que vous avez aimé cette cinématique? Est-ce qu'il y a des choses qui, pour vous, reste encore en suspens. Est-ce que bah, vous avez des observations que je n'aurais pas vues par hasard ou autre? N'hésitez pas, tout ça dans les commentaires. Plein de bisous, likez la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de lore, bien sûr, de Warcraft, mais aussi de Starcraft Diablo. Tout ça, tout ça. Plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À plus dans le Nexus! J'ai pas d'idée. Je voulais faire un truc sur la conclusion, je cherche, mais j'ai pas d'idée donc. Je vais juste vous dire de regarder le petit cheval en bas à gauche. Ah si, je sais. Vous savez ce que mangent les elfes de la nuit comme gâteau apéro? Les Doritos. Doritos, Doritos. Bon, ok, je m'en vais. Salut.